D'habitude, c'est moi qui choisis, mais là, j'ai eu que des juniors jusqu'à maintenant. J'ai dit arrête les juniors, c'est bon. Et là, je joue comment? Le nid contre le tien? Ouf. Ils font les parties dans la cour. Ils la font dans la cour, c'est pareil. Hein. Ils sont habitués. Hein. Allez, bienvenue sur ce direct. Donc, c'est une partie minime qu'on va assister entre Joris Plonkar et Usubeli Matisse. Donc, on est en direct sur le groupe Pétanque pour ce mondial tête-à-tête. Ils ont gagné les deux parties chacun. Donc, n'hésitez pas à partager ce direct. Tu veux manger, gros, non? Tu vas pas manger? Parce qu'après, c'est rapide, hein. T'as vu, là, comment ça fait? Allez, on va se régaler, les amis. Partager ce direct de nos amis de Rodez, de l'Aveyron. Allez, ça fait du bien de voir des minimes aussi, ça fait toujours plaisir. Et après, ce sera la pause pour les juniors. Et ensuite, on aura minime cadet. Donc après, je crois qu'on a un tête-à-tête cadet féminin, il me semble. D'après ce que m'a dit Ludo. Alors, de toute façon, les féminines, elles ne peuvent pas être commentées autre que par Dimitri. Hein. Dimitri, c'est le plus beau gosse du groupe. Donc, les nanas, c'est normal qu'elles soient commentées par lui. Allez, en tout cas. Attends, je vais leur mettre un bouchon rouge parce que le bleu, on ne le voit pas. Parce d'en donner des rouges, on n'en a plus. Non, oh, regarde. Joris! Jojo! Mais celui-là, on le voit mieux. Ah, mais quoi, qu'ils en ont un, non? Ne commencez pas les parties, hein. Les parties n'ont pas encore commencé. On a sifflé la fin du troisième tour. Vous ah avez oui. Le temps, hein. Il y a des parties du troisième tour qui ne sont pas encore terminées. On n'a pas les résultats. Donc ne commencez pas les parties. Ah, on a le temps les amis. Et les jaunes ils sont déjà là. C'est pas grave, on va profiter du direct. On va profiter de ce direct un peu plus longtemps. Voilà. Donc on attend que les parties soient commencées vu que c'est pas fini de l'autre côté. Alors on a un choc aussi sur la partie, sur le jeu d'à côté, sur le terrain G. On a Ezekiel Cortés qui joue contre Loni. Je crois que c'est Loni Zygoski, je crois que c'est son nom. Allez, je rappelle aussi qu'on a deux joueurs de Moidieu qui sont dans le carré d'honneur. On a Clément Marron et son frère Noah Marron qui sont tous les deux là. Alors là, je rappelle qu'il est Benjamin encore. Il joue avec les minimes, mais il est Benjamin. Alors que Noah, lui, il est bien minime. Ah, Patrick! Nom de Dieu! Patrick, s'il te plaît. Et ça fait 3 heures qu'il dort, Patrick. C'est bon, t'arrives à trouver? Ouais. Est-ce qu'elle est sur Pétanque? C'est le logo comme ça. Il est orange un peu. Ouais. C'est quoi son nom? Ah mais je vais l'identifier au pire. C'est quoi son nom? Ouais, si elle est pas dans le groupe, c'est compliqué. Elle est dans le groupe ou pas elle? Je sais pas. Bah, elle fait une demande au pire. Faut qu'elle aille là-dedans. Tu vois, il est comme ça le logo. Elle fait la demande, lui il accepte tout de suite et il y a deux trois questions, elle répond pas, elle zappe. Comme ça elle est en direct. Au pire la partie elle sera sur YouTube ce soir ou demain. Mais bon c'est mieux en direct, c'est un peu plus. Qu'elle nous dise son nom par contre pour qu'on l'accepte. D'accord.
Elle l'a pas, c'est sûr, hein. Allez, merci. Allez, en tout cas, bah déjà, on sera à la quatrième partie, donc il restera trois parties cet après-midi. Trois ou quatre parties, du coup, il y aura une mini, mais peut-être quatre encore cet après-midi. Donc, on a de quoi se régaler. Merci en tout cas pour votre fidélité. Vous êtes toujours au top. Et nous, franchement, on est content aussi de la qualité de la caméra aujourd'hui et du son. Donc on arrive à produire du beau travail. Donc bah, tout le monde se régale, du coup, c'est ça qui est bien. Allez, ça fait plaisir aussi de voir évoluer les minimes. Donc je rappelle, c'est Plonkar Joris qui va évoluer devant la caméra du groupe Pétanque contre Usubeli, pardon, Matisse. Ah bomba, tire au bouchon. Il est là, monsieur Jean-Michel Pourroy. La bombe de Gap. Et on peut le féliciter pour sa descente en troisième division cette année à la Lyonnaise. Bravo à lui. Par contre, je crois qu'il va évoluer en Ligue M1 au Buffet chinois. Bravo pour cette montée avec la team. C'est vrai, une félicitation. Alors, ton fils, je ne sais pas c'est lequel. Est-ce que c'est Joris ou est-ce que c'est Matisse? Je pense que c'est Joris. Et Joris, il faut savoir que depuis l'année dernière, c'est mon petit chouchou. C'est le seul qui s'est permis de m'engueuler. Donc déjà à son jeune âge, il est courageux. J'espère qu'il va nous régaler en tout cas. Eh ben, félicitations Séverine, t'as un bon garçon. Très très sympathique. Un phénomène avec la patte gauche. Allez, ben, on attend le coup de sifflet pour pouvoir commencer cette partie. Ouais, je crois que c'est ça. Et ben de rien, on est là pour ça. On essaye de faire vivre au maximum la pétanque chez les petits. Et bienvenue aussi à Laetitia, la maman de Matisse, qui vient de s'inscrire sur le groupe pétanque. Donc elle va pouvoir évoluer aussi son fils. On essaie de vous régaler au maximum. C'est vrai que pour ça, la pétanque, c'est bien. Pendant 4 jours, au moins, vous pourrez voir évoluer vos enfants sur Facebook. S'ils sont filmés, bon, bien sûr que c'est pas évident que tout le monde soit filmé, mais. On essaie de filmer au maximum. Des juniors, des minimes, des cadets, des filles, des garçons. Ah, merci Dimitri. Ah, ça me faisait plaisir. Allez, bah, Joris, la patte gauche. Qui nous vient de Rodez, de l'Aveyron.
contre Usubeli Matis, qui est là, je crois, avec le papa en coach. Donc, une belle partie en perspective. Hein. Ils ont gagné tous les deux leurs deux premières parties. Donc, on verra tout ça. On attend le coup de sifflet du départ. Je rappelle que les parties... Eh, déconne pas, Jean-Mi. Tu sais qu'hier soir, on allait manger au buffet. Ils étaient où, mon Joris? Avec son copain, comment il s'appelle, Ruben. Ils étaient là-bas, on les a retrouvés. Donc déjà, le petit, je pense qu'on va finir par bien s'entendre tous les deux. Déjà qu'on est copains, je pense que notre amitié, elle a pas fini de durer. On t'invitera à la bomba. Allez, en tout cas, bon, le coup de sifflet va arriver. Donc je rappelle le règlement, 40 minutes. 40 minutes et en cas d'égalité, il y aura une manne supplémentaire. Et je rappelle qu'il y avait plus de presque 100 minimes, hein, je crois. Donc, il faut savoir qu'il faut gagner au moins, il faut gagner au moins 4 parties pour être en 8e du concours A. Donc, ce soir, on va assister après la 5e partie, on va assister en 8e et des quarts de finale ce soir. Et je rappelle. Et je rappelle que les demi-finales et la finale, elles se disputeront dimanche pour toutes les catégories, minime, cadet, junior, garçon, fille, et également les cadets minimes juniors du B. Donc il y aura toutes les finales dimanche. Donc s'il y en a qui sont en finale, en tête-à-tête, en doublette ou en triplette, eh ben, ils pourront faire peut-être trois demi-finales et trois finales le même jour dimanche. Donc, c'est des grosses journées qui peuvent être pour les enfants. Allez, on va être parti. Le chef, il a dit coup de sifflet dans 2 minutes. Alors, pour les distinguer, Joris, on le voit avec sa casquette bleu, blanc, rouge. Le gaucher. Alors lui, si vous ne le connaissez pas, enfin, il y en a très peu qui le connaissent. Moi, j'ai eu la chance de le connaître l'année dernière. Je peux vous dire qu'il envoie les boules avec sa main gauche à la perfection. Si tu rentres pas dans les critères, tu le sais, tu n'es pas dans les critères. C'est quoi les critères? Les critères, c'est moins de 60 kilos. Entre 18, moins de 60 kilos, entre 18 et 50 ans. Oui, non, mais c'est pas une grosse, j'ai déjà une à la maison. J'avais pas besoin d'en avoir une sur les sites. Je suis obligé de monter. Allez, c'est parti. Trêve de plaisanterie. On est parti. Allez, le bouchon l'était gagné par Matisse. On va rester un peu sérieux. Parce qu'après, tout le monde s'enfuit, du coup, avec toutes les conneries que je raconte. Mais bon, la pétanque, c'est aussi la bonne humeur. C'est bien joué en attendant. Très, très bien joué de la part de Matisse d'entrée. Allez, Joris. Alors Joris, petite info, l'année dernière j'avais écrit J-O-R-I-S, il est venu, il m'a dit, attends Bubu, je t'explique, Joris c'est J-A-U-R-Y-S. Donc du coup, je l'ai fermé, et voilà, la première qu'il a tirée, il a fait carreau en place, le petit. Voilà, comment on joue aux boules. Attends, la première qu'il a tirée, il a fait pile. Celui-là, je vais le garder au chaud, je vous le dis. Hein, parce que peut-être que dans mes vieilles années, il arrivera à me faire gagner quelques parties. On prendra la bombe en troisième. Et puis voilà. En tout cas, super entame de partie. On a vu jouer deux boules, une dans le but et un carreau. Donc maintenant, ça va être du côté de Mathis d'aller tirer. Et c'est court. Tombé un petit peu court, mais il n'a pas ramassé.
peu bas et on joue vite. Hein. On joue vite et il a fait devant de boule. Il a envoyé, enfin, il n'a pas fait devant, il a envoyé un peu dans la boule et il a bien réussi. Allez, Joris qui va tirer pour la marque. Et s'il tire la même, ce sera carreau. Et il peut faire 3 points d'entrée. C'est parti. Eh, c'est pile encore. Eh ben ça, c'est une attaque en fanfare. Hein. Et je vous rappelle qu'il pointe hein, dans le... en doublette avec Ruben. Donc cela, si vous avez un petit pronostic à faire pour le doublette minime, vous pouvez mettre une petite piécette. Voire un billet. En attendant, c'est un début de partie. 3 points pour Monsieur Joris Plonkar. Et là, elle les a tirés d'aplomb. Et son numéro, je ne te le donnerai pas. Je le garde que pour moi. Commence pas à venir me piquer mes poulains. En plus, il est d'une gentillesse incroyable. Il s'est réveillé hier soir et il est venu me voir tout de suite quand je commentais le doublette mixte. Ils sont venus tout de suite me faire un petit coucou. Non, c'est l'autre. Ouais, et ben celle-là est dans le bouchon. Ouais. Ah ouais, le réalisateur. Allez, c'est boule dans le but encore. Bien tiré, hein, bravo. Ah, c'est répondu tout de suite de la part de Matisse. Matisse Usubeli. Tout de suite, il a répondu. Là-bas, la tire, il est tombé un peu court. Et du coup, ben, ça, là, dès que ça touche terre, c'est pas terrible. Hein, c'est pas. Allez, Joris qui va tirer tout de suite. Et ben, c'est bien tiré. Encore un petit carreau sur le côté. Ah, il n'est pas énervé. Hein. Il n'est pas énervé le jeune. Hein. Il a pris un carreau. Mais lui, ça ne le déconcentre pas. Ça lui fait pas peur. Il va au charbon. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va pointer gentiment. Celle-là, il va l'envoyer tranquille. 50 devant le bouchon. Voilà. Eh ben, c'est la même que sa première, hein, pour le moment. Il a joué 6 boules et il a tiré 3. Il a fait 2 pas bouger et un petit recul et 3 boules dans le but. Voilà. Allez, mais par contre, belle mène là pour Matisse. Il a besoin de faire petit carreau. Il revient 2 à 3. Il faut pas taper le but, hein, surtout. Ah, c'était manqué. Il est court. Et ben, un point supplémentaire pour Joris. Zéro, eh ben c'est il démarre en fanfare hein, le petit. Allez, 4-0. Un petit coucou aux deux mamans du coup, à Séverine d'un côté et Laetitia de l'autre qui vient de nous rejoindre sur le groupe. Alors, je rappelle qu'on est plus de 100 000 hein, sur ce groupe. On est 110 000 sur le groupe Pétanque. Donc bienvenue à tous. Hein. Et n'hésitez pas à partager que toute la famille en profite. Et les amis. Hein? Voilà, 112 560. Alors, vous pouvez en profiter. Ah, c'est juste pas droit. Allez, chez nous, c'est la bonne humeur et tout le monde a le droit d'être filmé. On n'a pas de priorité, les garçons, les filles, les petits, les grands, les bons, les méchants. Tout le monde a sa chance. Allez, en attendant, c'est bien gagné presque en devant de boule. Allez, Joris qui va tirer. Et pas facile à tirer celle-là avec la main gauche. Mais bon. Eh ben, il a contré. Il a contré dedans, mais bon. Il a fait sec encore. Il a fait pile. Ouh, il l'a envoyé loin, non? Il me semblait qu'il l'a envoyé un peu loin.
Et bah, c'est bien tiré encore un jour ici, il a fait carreau, là, et bah, il va rajouter. Allez. Hop là, les boules, c'est facile, il n'y a qu'à les jeter, comme il dirait un certain moustachu. Voilà, deux points. Allez, ben, faut se mettre en route. Faut se mettre en route, Mathis, sinon ça va aller vite. Hein. Là, il est en train de dérouler. Et pourtant, il fait pas une mauvaise partie, Mathis, mais. Mais en face, il a mis le turbo. Hein. Et ben allez, encore côté de Mathis. On va essayer de venir. Alors, je joue pas très loin au minimum. Je rappelle que c'est de 5 à 8. Et ben celle-là, là, on peut pas dire qu'elle est pas bien jouée. Hein. Il est 3 cm devant le bouchon. De la part de Joris. Ouais, Mathis, faut mettre en route là pour équilibrer un peu la partie. Sinon, ça va être compliqué. Bien tiré, carreau en place. Bravo. Super. Très très bien tiré. Là, ça tombe des carreaux hein, dans cette partie. Le problème, c'est que dès qu'on touche terre, on les touche pas. C'est des terrains qui sont exigeants quand même au tir. Il faut avoir un tir un peu fuyant. Là, c'est encore dans le but. Allez, Mathis. Allez, tire bien encore la deuxième. T'as bonheur encore de faire un petit carreau, tu peux revenir. Oh, elle est au pied. Celle-là, elle n'est pas payée. Comme je vous disais, elle est tombée 5 cm devant la boule. Merde, à chaque fois, ça déconne. Je ne sais pas ce qu'il y a. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi il s'éteint le truc? Il faut bouger le fil, en fait. Ah, c'est bien tiré. Il a fait petit palais. Et le bouchon, il est parti dans la boule. Débranche et remet, des fois. Il va y avoir un faux contact quelque part. 133. À 133 est attendu sur le terrain 81, s'il vous plaît. Allez, ben la boule est partie dans la. Le bouchon est parti dans la boule à Joris encore. Et du coup, que ça fait que. 81 qui est attendu sur le terrain 133. Eh ben, oula, ça éteint là, du coup. Ça va. Allez, ben, deux points supplémentaires. Il doit y avoir un fond contact quelque part là. Faire le machin. Alors, désolé pour le score. Du coup, je peux pas mettre le score à jour. Ah, ça y est, ça revient. Voilà. Petit souci, alors je pense que c'est deux points supplémentaires. Oui, c'est ça. Oh putain, mais j'aime pas quand ça se met comme ça, là. Ça disparaît. Hein? Pas pourquoi ça fait ça? De quoi? Je sais pas, mais depuis ce matin, même quand c'était froid, que c'est. Hein? Ça chargeait plus? Allez, ben je vais vous mettre le score. Essayez de toucher la prise là pour voir. Pourquoi ça, Ludo, ça part des fois là? Donc je rappelle le score 8 à 0 hein, du coup pour
Des fois, ça, il doit y avoir un faux contact quelque part. Ah. Ah, celle-là, elle a bien ramassé. Donc, je mets le score du coup à la main parce qu'on a un petit problème. 8-0 pour Joris. Pour Joris Plonkar. Et là, il n'est pas venu près d'entrer. Hein, donc, on part à l'attaque. Bien tiré. Il y a 2 points par terre. Bien tiré. C'est pas démonté. Hein, il est parti à l'attaque. Ah oui, ça revient puisque tu vois, ça arrête là. Ok. Et bah c'est bien joué, bah c'est boule importante hein, du coup pour notre ami Matisse, parce que là il tire à 2, 3 au carreau, et ses carreaux allaient pas aller assez loin. Oh là là! Dommage, 1 point. Ah, il avait fait le petit carreau, putain, c'était bien, ça pouvait le relancer. Dommage. Bon, il a marqué du coup, mais bon, c'est pas payé, hein, parce que il méritait de faire 3 points dans cette main. La sortie, il a fait un seul, mais bon. Oula, elle a envoyé dans le bouchon. Il a fait un petit écart, notre ami Joris. Il est tombé sur la sienne. Et bien, il y a 2 points par terre hein, pour Matisse. Ah, il a encore, il a embouchonné encore. Et il y a le bouchon qui est dans le cou et sa boulet derrière. Très très bien joué. Allez, ben, boule importante. Bien tiré, bravo. Très très belle frappe de Matisse. Et il fait 2 points. 2 points supplémentaires. Merde. C'est 8 à 3. Eh ben il a repris un peu du poil de la bête. Du coup. Allez, Mathis, c'est bien. Ça redonne un peu de. Bien, Mazal Tov. Allez, ça redonne un peu du piment à la partie sans qu'il déméritait. Il n'a pas démérité au début. Hein. Le problème, c'est que Joris, il a fait un jeu d'enfer au début. Et là, bien joué encore de la part de Matisse, hein, tout de suite dans le but. Allez, Joris, la patte gauche. Oh, sauter au fil. Et il a tapé un peu le but, ça lui a fait un peu de place. Du coup, il y a 20 cm maintenant ou 30 cm pour pouvoir le gagner le point. Qu'est-ce qu'on fait? Il va peut-être retirer encore, hein, parce que la boule, elle est encore prête. Hein. C'est pointé, c'est quoi? Il a perdu à la porte.
Il a perdu juste à la porte. Oh, il a passé par la cuisine et il a gagné. Bien joué. Et ben, c'est deux boules hein, pour Matisse. Pour marquer. Allez, il a très très bien tiré en plus jusqu'à maintenant. Dès qu'il n'a pas touché terre, il a fait carreau. Et c'est bien tiré. Hein. Ça doit suffire. Ça doit suffire, je pense. Allez, Séverine, on partage ce direct. Les deux mamans, là, on partage ce direct pour tout. Pour que toute la famille puisse regarder, les enfants, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles. Tout le monde, vous mettez sur votre Facebook, pour que tout le monde puisse suivre cette partie. Sachant qu'on est là pendant 4 jours. Donc, si vos enfants ils sont en finale, enfin dans les parties finales, vous pourrez aussi les suivre. Au pire, on vous donnera un peu des informations et des résultats. Tout ça en direct sur le groupe Pétanque. Allez, bah le bouchon a l'air bon. Je rappelle que en minime, c'est de 5 à 8. 5 mètres à 8 mètres en minime. 6 à 9 en cadet. Et 6 à 10. En junior, comme pour les adultes. Allez, on demande l'arbitre. Est-ce qu'il est par là? Pas d'arbitre dans le carré. Est-ce qu'il y a un arbitre là, par là? Allez, ils ont meilleur compte à prendre un mètre. Hein. Vous allez plus vite avec un mètre, à mon avis. Hein. J'en vois pas. Un arbitre. Non, je vois pas d'arbitre qui traîne. À mon avis, vous allez plus vite si vous mesurez vous, hein, avec le mètre. Je vois pas d'arbitre. Non, mais ils sont en train de manger là-bas. Là. Il arrive là. Pas si t'as vu si. Ah, il passe sous la tribune. Si, il arrive. Pas sûr. Hein. Si, il arrive. Ils font comme toi aux Chinois hier soir. Hein. Peut-être que j'ai gaffé hein, sur le direct. C'est une certaine Séverine, elle a dit qu'ils étaient au buffet chinois hier soir. Peut-être que tu n'avais pas le droit. Hein. Elle croit que tu manges des carottes. Bon, Séverine, petite info, j'ai ton mari. Hier soir, au buffet chinois, je l'ai vu, il a mangé nickel. La salade de choux, des carottes râpées, il a été super super sage. Il n'a même pas pris de dessert. À 9h30, ils étaient couchés. Allez, du coup, l'arbitre, il nous a dit que le bouchon n'était pas bon. Joris, il a décidé de jouer prêt. Et ben la partie est relancée, mine de rien, de 8-0, on est passé à 8-4. Matisse, il a repris un peu du poil de la bête. Et c'est gagné de la part de Joris. On peut pas tirer, c'est une boule qui est pas très près. On pointait gentiment côté Matisse. Allez. Matisse Usubeli.
Je sais pas si elle a gagné les courtes. Elle a dû gagner, mais c'est pas si sûr, hein. Non. Elle a pas gagné. Et je pense qu'on va mesurer Joris, c'est sûr de lui. Mathis aussi. Allez, bah c'est peut-être déjà un petit tournant hein, de la partie, parce que si Joris il marque, il fait une grosse main, il va se détacher et il va se rapprocher de la fin surtout. Et s'il ne marque pas, bah, Mathis il va se rapprocher de lui aussi. C'est tiré, c'est chiqué. Alors, est-ce qu'on est en second? Ouais, je pense que oui. On va tirer à la marque. Dommage, Mathis, il a juste chiqué. C'est parti pour tirer à la marque. Et c'est chiqué aussi. Et je vous l'ai dit, hein, c'est tournant de partie ça. Tournant de partie, c'est la bonne heure de bien tirer. Ben, il se détache un peu. Et s'il manque, ça fait 8 à 5. Hein, c'est plus la même chanson. Allez. Un petit bout de partie dans cette boule. Et c'est chiqué encore, hein, il marque pas. Un point supplémentaire pour Mathis dans cette main. Et ça fait 8 à 5. 8 à 5, et ben les dés sont relancés. 8-5. Là, dommage. Il menait 8-0. Ouais. Ah ouais. Et il a gagné là? Bah ça va, tu gagnes 4, t'es qualifié de toute façon. Ouh là 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 là, il a inventé quelque chose. Il a inventé un truc. Il a envoyé et il est tombé sur la boule. Et bah du coup, Mathis, il a les boules maintenant pour revenir au score. Cette partie, si elle a le bon ordre bien tiré, ils sont pareils. Allez. Ah, c'est pas droit. Dommage, il a pas profité de l'occasion. Dommage. Bah faut bien tirer celle-là, parce que sinon ça peut être... Yay. Ah bah il a tapé le but. Il n'a pas rien fait. Est-ce qu'il tient? Je sais pas. Et Joris, il tire à deux. Ou il pointe, je sais pas s'il tient. Allez, je pense qu'il va tirer. Et bah, c'est un peu la même main qu'avant, hein. S'il a bonheur de bien tirer, ça fait l'écart. Et c'est manqué. Et bah, pas une belle main au tir, hein. Mais il marque quand même. Allez, 9 à 5. C'était une main un peu, heureusement qu'il a pas chiqué, sinon il démarquait. 9-5 du côté de Joris Plonkard. Ah, Mathis, il avait la main pour revenir là, dommage. Dommage. Il doit pas être bon. Vivement que je retombe en minime, moi, pour tirer à 5 mètres, parce que je fais beaucoup de carreaux. Il me manque plus qu'un an, et c'est bon. Allez, bah arbitre, il est à côté, ça va être vite fait. Non, oui. Alors, ça dit quoi? Ça dit qu'il est pas bon. Allez, bah Mathis, il va pouvoir le mettre où il veut. Il faut qu'il se dépêche un peu, Mathis, parce qu'il a deux mains de retard. Et le temps va pas tarder à être fini. Ça fait déjà... Ah quoi que... Ça fait 40 minutes qu'on joue.
qu'on filme. Et comme on a attaqué bien 10 minutes avant. Donc il doit rester une dizaine de minutes. Allez, mine de rien, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Merci en tout cas de nous suivre sur le groupe Pétanque. Bon, c'est parti avec les enfants. Vous pouvez retrouver ces parties sur YouTube à partir de ce soir ou demain. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est bien, c'est pas bien. C'est pas grave. L'important, c'est de le dire et comme ça, on peut essayer de s'améliorer. Voilà. En principe, c'est souvent bien. Je déconne, mais en tout cas, les enfants, ils nous régalent et merci à eux de nous faire vivre des super moments. Et merci aux parents aussi de les amener dans ces concours parce que mine de rien, ça fait un peu de la route, ça fait un peu des frais en pleine saison de vacances. Mais en attendant, les parents, ils sont là et bravo à eux de faire tout ça. Pour que les enfants puissent s'éclater pendant 4 jours. Allez, on va retirer du côté de Joris. La première, elle a sauté de 30 cm. Ah non, elle a décidé de pointer. Bien, il a un peu gardé dans les doigts. Attention, hein, c'est 3 carreaux là pour Matisse. Et ça relance complètement. Allez, c'est 9 à 8 au carreau. Et sinon, ce sera. Enfin, 9 à 8. 8 à 9, il reviendrait. Et déjà, s'il tape, ça fait 2. Ah, c'est manqué. Un point. Un point supplémentaire, du coup, pour Mathis Uzubeli. 9 à 6 pour Joris Planquer, notre ami de Rodez, de l'Aveyron. Ils sont venus avec le papa de Ruben aussi, tous les Les deux. deux joueurs ne viennent pas, nous ne pouvons pas prendre le résultat. Donc, c'est bien de venir les deux joueurs ou les coachs, mais à la table de marque. Allez, ben 9 à 6. Mathis, il va engager la main. Mathis qui nous vient de Perpignan. Bien joué. Très très belle boule. Et la maman Laetitia qui regarde, j'espère. Allez, c'est bien entamé en tout cas. Bien tiré. Et il a passé sol. Maintenant, est-ce qu'il tient? Je sais pas. Il a fait petit palet sur le côté, mais je sais pas qui c'est qui tient. Non, il tient pas, il va falloir repointer du coup. Allez, Joris qui va pointer sa boule. Ouais, c'est un poil court. Un peu court, mais ça laisse un peu de place à Matisse, hein, du coup. Ben, j'espère que tu te régales, Laetitia, à nous suivre en direct, à regarder le petit. Vous voulez jouer vite les deux. Allez. Joris qui tire à la marque. Et ben on est toujours dans la même situation. Hein. Si on tire, on se rapproche de la victoire. Et si on manque, et ben Mathis il grappillera quelques points encore. Et pour revenir à deux longueurs seulement. Donc n'hésitez pas à partager, bien sûr. À mettre des likes. Si le commentateur vous plaît, vous mettez plein de pouces bleus. S'il dit des conneries, vous mettez des têtes où vous êtes pas content. Voilà. Allez, normalement, il y a 30 pouces bleus qui doivent arriver. Hein. Allez, Joris Plancard. Et c'est juste derrière. Et ben, un point supplémentaire, 9 à 7. Et c'est une partie qui n'est pas finie. Il peut se passer encore plein de virements. Plein de retournements de situation dans cette partie. 9-7 pour Joris. Et Matisse, il n'est pas désarmé, il est toujours là.
L'esprit catalan, il lâche pas. Allez, 9-7. Je vous rappelle qu'il reste. Et Benjamin, lui. Ah, lui, là, jette des boules. C'est le frère à celui-là. Ah, dommage, la Matisse, il n'a pas profité d'entrer. Du coup, Joris, il a mis une belle. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer peut-être côté Matisse. Elle est en plein jeu, celle-là. Elle est 42 ans, mais elle... Ah non, il pointe. Et il est court. Dommage. Et il joue vite, hein. Ouh là là, il est excité. Un peu énervé. Il manquait quelques boules. Allez, ben, Joris, c'est boule de marque. Et c'est encore sauté. Il saute tout au fil. Allez, c'est toujours boule de marque. Attention à pas trop gaspiller à force. Hein. C'est tapé. Devant, il y a plus de chances que derrière. Et celle-là, elle a mieux ramassé. Et bien, un point supplémentaire. Et bah 17. 10 à 7 et la partie, rien n'est joué. Rien n'est joué encore. On sait qu'il reste encore. Il doit rester encore 5 minutes. Je pense qu'on va aller au terme de la partie, hein, parce que c'est vite fait, on sait pas. On mesure. Allez, ben là on a envoyé le bouchon très près. Et Joris, il a séché 50 devant le but. Je pense que Matisse il va partir à l'attaque. Il a jeté près exprès. Il y a une raison. Allez, on va tirer tout de suite. C'est le jeu. Ah, c'est touché terre. Dès que ça touche terre, c'est manqué. Il cherche à faire des grosses mènes, mais. Et on tire encore. Hein. Et c'est manqué. Aïe, 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 aïe. Aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? C'est manqué perdu ou bien on pointe et on s'expose peut-être au carreau final. Et on tire pour pas perdre. Petite info, quand C'est on trouvait tapé. les listes des joueurs isolés pour le doublette et triplette, au lieu de vous marquer à l'affilée, quand on cherche un joueur, il suffit d'appeler le joueur précédent. Si vous mettez là par exemple pour le doublette, on a enfin, pour le triplette, on a trois joueurs isolés. Il suffit de vous appeler pour jouer ensemble, il y a les numéros de téléphone. Ouais. Donc là, pour le triplet cadet, on a trois joueurs cadets de seuls qui se mettent à la filée. Ça sert à rien de. Allez. Appelez-vous, il y a les numéros de téléphone et vous jouez tous les trois. 2,12. Ah, c'est dommage, là, Matisse, il a passé un peu à travers de cette mène, il a tiré, bon, il a tapé pour pas perdre, mais bon. C'est quand on tire pour pas perdre, le score il avance pas. N'hésitez pas à aller voir les partenaires donc, de ce mondial. Donc, la pétanque shooting, hein, qui vous recevront au concours de tir où on prendra les 8 meilleurs T'as pas les manger. joueurs Tu pour vas pas les manger. quarts de finale, la grande finale. Ensuite, la team sport. Qui vous accueille également pour décocher le Ah, bien joué. défi. Hein. Belle entame de Allez, Joris. Allez, Matisse, il faut démarrer. Il faut essayer de faire une belle main. Il fait deux petits carreaux tout de suite. Là, ça relance. le groupe Pétanque avec décochonnet, des accessoires pour la pétanque, les bénéfices. Mais c'est juste pas droit. Dommage. On a le sculpteur. Et ben là, on le n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? à du stade et allez voir À la télé, tire au bouchon, hein, je vous annonce. Mobile. Si c'est Jean-Michel Porro, il tire au bouchon aussi. Si c'est Jean-Michel Puccinelli, il tire au bouchon. Tous les Jean-Michel, ils tirent au bouchon. Ah, c'est vite vu. Mais là, est-ce que là, faut pointer, à mon avis.
Je sais pas, il réfléchit. Non, il va. Il hésite vraiment, hein. Il a envie, hein. Je crois qu'il a envie de tirer au but. C'est pas le jeu, mais il avait envie et il a tapé. Ah là là, dès que ça touche terre. Dès que ça touche terre, malheureusement. Ah, faut les tirer comme moi, les boules, hein. Faut y tomber dessus. Ah, je crois que là, cette fois, la messe est dite, hein. Deux boules tapées gagnées. À la patte gauche de Joris. Avec le regard de tueur qu'il a. Il a le même regard que quand il mangeait les nems hier soir. Donc je peux vous dire que. Eh ben c'est victoire. Victoire de Joris, malgré que ça a été une partie. Baptiste, il n'a pas démérité. Il a manqué quelques mains à la sortie. Ça n'a pas pu le relancer, en tout cas. Bravo aux deux joueurs. Bravo Joris. Mathis, il n'a pas su trop profiter, c'est dommage. En attendant, merci à tous. Merci aux mamans de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, et ben, tout à l'heure, je pense que là, ça va être une partie cadet de féminine. Voilà. Donc, merci à toutes, merci à tous. Et ben, on est là tout le week-end, hein, donc n'hésitez pas à venir sur notre page. Le groupe Pétanque, Facebook en direct. Merci. Et bonne journée à tous, à tout à l'heure.